Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Imagine ton live numéro 6. La mairie de Corbeil-Essonnes ouvre une fenêtre pour les artistes dans cette période où la culture doit se taire. La mairie de Corbeil-Essonnes réouvre le son, ouvre le son. Retransmis sur le site de la mairie de Corbeil, vous retrouvez aussi sur Facebook. Et ce soir, à partir de ce soir, sur Radio Terre de Mix 90.1 et www.mjclimour.fr. Pour introduire cette soirée aux couleurs de la musique latino avec Elena Recal de Trio ce soir, j'ai avec moi Oscar Segura, adjoint à la culture de la mairie de Corbeil, et Monia Aïssa, adjointe à l'égalité femmes-hommes et lutte contre la violence faite aux femmes. Et c'est très important puisqu'on est bientôt, on est le 5 mars, on arrive bientôt au 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et vous avez toute une semaine d'action. Et oui, nous, bonsoir. Alors rapprochez un peu le micro qu'on vous entende. D'accord. Bien. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Effectivement, on a préparé pour cette année une semaine entière et même plus qu'une semaine parce que les portraits seront sur toute la ville tout le mois de mars, même début avril. Mais malheureusement, avec la crise sanitaire, nous ne pourrons pas faire les événements en présentiel. Cependant, nous allons avoir des conférences filmées qui seront remises sur le site de Corbeil-Essonnes. Pour une première fois, nous allons mettre des portraits sur toute la ville de Corbeil-Essonnes, près des écoles, dans le centre administratif, au parc Crété et partout ailleurs. Voilà. Je remercie Elena. On avait fait, au mois de septembre, créer une chorale qu'on avait nommée la chorale populaire pour l'action de cette journée du 8 mars. Malheureusement, notre projet de mettre cette chorale en route n'a pas pu se faire. Ça sera pour les mois à venir, espérons. Ben, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous allez profiter de cette semaine du 8 mars. Merci. Merci Madame Aïssa. Alors, un joli programme pour cette semaine du droit des femmes, toute une semaine consacrée aux droits des femmes, et c'est important. On a vu que les violences intrafamiliales augmentent avec toute cette période actuelle, le Covid, le confinement, et c'est important pendant une semaine de faire du bruit pour les femmes, pour le respect des femmes, et c'est vraiment important, et on peut féliciter la mairie de Corbeil-Essonnes, votre action de se lancer dans ces projets. Et une autre action qui nous réunit ce soir, voilà, imagine ton live. Monsieur Segura, je vais vous donner la parole pour expliquer un petit peu ce projet, parce que dans cette période où on demande aux artistes de se taire, aux artistes de rester en retrait, où la culture ne peut pas s'exprimer, la mairie de Corbeil a fait un choix différent. Imagine ton live, 8 concerts, 8 dates, donner la parole aux artistes, faire du bruit pour le vivre ensemble. Comme disait Tahar Ben Jelloun, une ville, ce n'est pas qu'un tas de maisons. Il faut aussi raconter des histoires, il faut aussi des choses qui prennent forme, qui donnent vie. C'est un peu votre point de départ. Oui, tout à fait. On a eu un constat de voir que tout était mort, que les gens considèrent que, enfin certains, surtout les dirigeants, que la culture n'est pas essentielle. Et nous, on pense au contraire que la culture, c'est ce qui fait société et que... Voilà, on a besoin de partager des choses. Et partager des choses, ça passe par la musique, ça passe par des expositions, ça passe par des idées comme la semaine sur les droits des femmes. Enfin voilà, c'est toutes ces choses qui font qu'on réfléchit et on s'élève. Et là, on avait, pour cette nouvelle année, on s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la culture revienne un peu sur le devant de la scène. Et donc, voilà, en ce moment, on est obligé d'avoir accès à de la vidéo. Bon, on fait avec de la vidéo. Là, on est vraiment ravis d'accueillir la radio Terre de Mix. Mais voilà, c'est des nouvelles formes de diffusion qui permettent finalement aussi de toucher beaucoup de monde. Et puis qui permettent aux artistes de s'exprimer, aux techniciens de travailler, au public d'apprécier, enfin qui permettent quand même de faire vivre un petit peu... la culture dans cette période faire vivre le monde de la culture, exactement. Et d'ailleurs, ce soir, ce genre d'événement, c'est possible grâce à toute une équipe technique. Je vais vous laisser dire deux mots sur tout le staff qui permet ce genre de soirée. Et c'est important aussi, le monde de la culture, il y a les gens sur la scène, il y a aussi les gens en coulisses. Et il faut leur rendre hommage parce qu'ils font un travail monumental. Et c'est aussi une période compliquée pour eux.
Oui, bien sûr, parce que tout ça, pour arriver à faire ça, en plus des artistes, il y a toute la technique qui va derrière. Donc il y a Germain au son, toujours, qui nous diffuse ce son, Nicolas aux lumières. Il y a l'entreprise Séquence 25 qui filme ça et qui diffuse tout en direct et en live. Voilà, on a voulu que ce soit du live pour que ce soit authentique et qu'il y ait vraiment, qu'on sente depuis chez nous l'énergie des musiciens en direct. Alors merci à Monsieur Séguret et à Madame Aïssa. On a beaucoup parlé. On vous souhaite une bonne soirée sur Corbeil, sur Radio Terre de Mix. Maintenant, on va laisser place à la musique, place à une ambiance tropicale, un petit coin de ciel bleu, un petit peu de chaleur, la chaleur sud-américaine, la chaleur des tropiques. Voilà, avec Elena Recal de Trio. On va tout de suite vous laisser prendre l'antenne, prendre la parole en musique. Et après, on reviendra pour une petite interview avec Elena Recal Trio. C'est à vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Thank you.
Bonsoir, on est très contents d'être là ce soir, estamos contentos de estar aquí, et à deux jours de la journée des droits des femmes, encore plus contentes, Vanessa et moi. On est même émus parce que ça fait très longtemps qu'on ne joue pas, qu'on est confinés, les artistes particulièrement, on n'a pas le droit de travailler et on fait comme on peut. Et je remercie pour ce genre d'initiatives qui nous permettent de revenir vers vous, même si on ne peut pas être près du public. Je sais qu'ils sont là et c'est intéressant parce qu'ils sont un peu partout dans le monde. Donc il y a nos parents, nos familles qui nous voient en Argentine, en Équateur et en Liban. Parce que oui, nous ne sommes pas à la base des Français, mais la France nous a accueillis, on est là, on travaille ici. Et puis on est là pour vous donner notre musique, une musique qui vient colorer d'un peu partout de l'Amérique du Sud, mais un peu aussi des Moyens-Orient. Et puis, comme je vous disais, à quelques jours de la journée des droits des femmes, on a un petit morceau qu'on va vous offrir qui s'appelle Carichina et qui, dans la langue des Indiens, Quichua, veut dire une femme qui ne sait pas faire des tâches ménagères. Et nous, on voudrait juste que ça ne soit pas une insulte, que ça soit plutôt un droit. Venga. Carichina. Un, deux, trois. Yeah.
para ti, Karishina Tremenda. Vanessa García, desde la Argentina. Lincoln, escucha. Le morceau qu'on va vous jouer à continuation, c'est un morceau qu'on écrit pour quelqu'un de très important. Et comme je dois faire un petit changement d'instrument, je vous laisse Vanessa García qui va vous raconter cette histoire. Le morceau qui vient, on l'a écrit pour Malala. Malala, c'est une petite fille pakistanaise qui lutte pour les droits des femmes. Et surtout, c'est quelqu'un qui est dans les territoires talibans, et où là-bas, ils interdisent aux petites filles d'aller à l'école. Et quand même, elle a lutté depuis qu'elle est très, très, très jeune pour pouvoir y aller. Et pour, et voilà, ils ne décident pas pour nous. Et moi, j'ai dit nous, parce que ça nous concerne tout le temps, les femmes, nous. Et moi, personnellement, je veux remercier tous les mouvements que vous êtes en train de faire pour la semaine des droits des femmes, et je pense qu'il ne faut jamais lâcher. Et pour Malala, c'est ça que nous, on pense à elle, comme ça. Singa, para ti. C'est pour toi, Singa.
grandes Malala. Les princes du Moyen-Orient, Fali Fara au piano. Malala. Mm-hmm.
voy a pintar un río. Lo voy a pintar de azul para que venga el amor mío y se detenga a ver el agua pasar. Mójate los pies, mójate los pies. Voy a pintar un río, lo voy a pintar de azul para que venga el amor mío y se detenga a ver el agua pasar. Mójate los pies, mójate los pies. Vanessa. Thank you.
a esa tierra querida, que yo vuelva algún día a ese suelo pisar y ver a mi viejita que no puedo olvidar, que Dios me la bendiga y que nos vuelva a juntar. Mójate los pies, mójate. De los pies. Bon, ça manque vraiment le public, c'est le moment, les gens ils dansent, ils rencontrent les gens. Mais c'est pas pour l'applaudissement, c'est pour la danse, c'est la danse qui manque, les moments de partage et le temps que nous. Qu'on peut nous échanger aussi avec vous, en espérant que ça revienne vite. Je vais encore prendre un instrument, donc Vanessa va encore raconter une histoire. Moi, je viens de l'Argentine, et dans un pays voisin, que c'est l'Uruguay, il y a un rythme très fort qui s'appelle candombe. C'est un peu la racine qui a resté de tout l'esclavage de l'Amérique du Sud. Et donc là, ça c'est un candombe mulato qui parle effectivement de gens noirs, de gens blancs, et voilà. Negro con rasgos de blanco, blanco con rasgos de negro, noir avec des traits de blanc, blanc avec des traits de noir. Égalité hommes et femmes, égalité. Les couleurs de peau, ça c'est pour Ishe, non elle est pas là, ouais, c'est pour toi, pour avoir tous la bonne couleur de peau, tu m'as dit ça, tu te rappelles ?
Negro con rasgos de blanco, blanco con rasgos de negro. Nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro, en el fondo de la sangre. Llevas tu sangre latiendo. Nunca quieras ocultar el tambor de los abuelos. Chacha mulato, chacha mulato, pasa, pasa. Chacha mulato, venga esa mano que hace chachas en el tamboril. Chacha mulato, venga esa mano que hace chachas en el tamboril. Coste negro, nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro, en el fondo de la sangre. Llevas tus sangres latiendo, nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro. Chacha mulato, chacha mulato, pasa, pasa. Chacha mulato, venga esa mano que se echa. Chacha mulato, venga esa mano que hace chachas en el tamboril.
candombe mulato. Avance. En fait, si, ça nous manque le public, ça nous manque les applaudissements. Mais comme vous êtes connectés tous sur Facebook, vous pouvez nous laisser un petit mot et on profite pour envoyer un saludo spécial à toute la gente qui nous mire en Ecuador et en Argentine. Y que gracias a este medio nos podemos, podemos estar cerca, podemos estar juntos. También queremos saludar a los amigos de la familia de Fadi en Líbano. Y vamos hasta el final. ¿Qué viene? Bueno, y con esta canción queremos saludar a nuestras viejitas queridas, al Chabelita, a Melú, dilo tú. À Melou et à Ponce. On veut saluer à nos mamans, c'est les plus grandes héroïnes de la planète entière, toutes ces mamans, toutes ces femmes courageuses qui luttent. C'est pour moi deux jours de droits des femmes. Et je veux commencer par saluer nos mamans et toutes les mamans de la Terre, qui sont ces magiciennes qui soignent tous les maux de la Terre. Et cette chanson va pour elles. La pomada milagrosa que tiene mi vieja hermosa. Thank you.
yo sabré que está en mi vieja hermosa. Búsquela, no, 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 usted no la encontrará. Un huerto divino y fino que alivia mi pena. Búsquela, no, 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 usted no la encontrará. Por aquí, por allá, búsquela, 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 búsquela. Búsquela, no, 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 usted no la encontrará. Y nos vamos, mi gente, nos vamos. ¿Qué tiene mamá? Eso, la pomada milagrosa. Fadil dit que ça lui manque les applaudissements. En général, non, non, mais non, je sais que vous êtes deux techniciens. En plus, vous travaillez, on ne va pas vous demander en plus de faire ça. Du coup, je profite pour remercier toute l'équipe technique, Germain, et Monsieur Lévesque et tout son staff, les caméramans, tous les gens qui ont été là, qui ont travaillé dur cet après-midi pour qu'on puisse faire ces lives. Et je profite de ces moments parce que c'est notre dernier morceau. Et donc après, on va vous quitter. Mais vous pourrez revoir ces vidéos par Facebook la semaine prochaine. Non, par YouTube la semaine prochaine sur le site de la ville. Vous pourrez la revoir. Et donc, merci à tous, tous les staff qui ont travaillé. Je voudrais remercier à Madame élue aux droits des femmes qui a parlé tout à l'heure, que je me permets de l'appeler Monia par son prénom parce que c'est une femme que j'ai eu la chance de découvrir, d'approcher et que je respecte beaucoup. Et comme elle a dit tout à l'heure, pour cet événement, j'avais prévu avoir une chorale des femmes. On avait commencé avec beaucoup de femmes dans un quartier de la ville. Hélas, le destin a voulu différemment. Mais j'espère que notre rêve va se faire réalité. Et donc, pour finir, un hommage à toutes ces femmes qui se battent chaque jour et que malgré que c'est dur, elles continuent à se battre. Et je voudrais dire que c'est un combat pas entre hommes et femmes. Le féminisme, c'est pas ça. Ça devrait s'appeler humanisme. C'est un combat entre gens gentils et gens méchants. Donc, rejoignez les gens des gentils, les gens des gentils, oui. Et partagez, vivez, luttez à côté des féministes. C'est pas de folle. C'est juste des gens qui cherchent. Et ben oui, des gens qui cherchent l'égalité des droits. Et je vous raconte une histoire. Es la historia de Valentín. C'est l'histoire d'un homme qui chaque soir rentrait chez lui. Faites-moi une ambiance, tu vois, j'aurais pas pour que ça soit plus des vivant. Frappes, oui. Sinon, plus, déjà qu'il n'y a pas de public. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui rentre chaque soir à la maison. Et parfois, il est plus fatigué que d'habitude. Il a pris un petit coup de trop. Mais chaque soir, il tape sa femme. Il la frappe, il lui fait du mal, il lui fait souffrir, il l'insulte. De temps en temps, elle s'emballe plus que d'habitude. Il prend un bâton. La femme qui a l'habitude de se faire battre chaque soir se plaint presque jamais. Elle a l'habitude. Elle a baissé les bras. Mais quand elle prend le bâton, elle dit « Oh là là, comment t'exagères !» Llegó el flojo de Ramón a la tierra de Porfirio. Llegó el flojo.
rojo de Ramón a la tierra de Porfirio. El negro Pepe está loco y nos vino a visitar. El negro Pepe está loco y nos vino a visitar. Cierra caramba la puerta ese loco, cierra esa puerta. Cierra caramba la puerta ese loco, cierra esa puerta. Fadi Farah, il vient de Liban. Merci Fadi d'avoir été ce soir avec nous. Il rentre chez lui, comme d'habitude, tranquille. Il dit, je vais exécuter ma petite tâche de chaque soir. Ce soir, un tout petit peu plus énervé que jamais, parce que voilà, la journée était dure. Tu vois, les hommes travaillent, ils ont des journées dures. Et donc, il s'est fait le petit couloir qui amène à la chambre, là, dans laquelle il y a sa femme, qui est souvent déjà prête à encaisser les coups. La porte s'ouvre et... Sa femme n'est pas là. Ah non, mais qui est-ce qu'elle a? Vanessa Garcia et su batería et su cajón. Si tu joues avec des bâtons, moi aussi. Pega! Thank you.
qu'il n'aura plus envie de frapper. Non, non, ça c'est fini là. Et la canción termine ainsi, l'aventure est finie comme ça. Merci à tous pour vos messages, pour vos soutiens dans cette période difficile. À très bientôt. No Valentín, con palo no vale Valentín. 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 Vengo del quinto mundungu Congo a sacarte la no Valentín. A sacarte la no Valentín. A sacarte la no. Ese loco, cierra esa puerta. Cierra caramba la puerta, ese loco, cierra esa puerta. No Valentín, con palo no vale Valentín. 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 Donc, Elena Recal Trio, bon, à une autre époque, j'aurais dit faites du bruit pour eux. Malheureusement, concert en live streaming, on ne peut pas tellement le faire. J'espère que vous avez pris beaucoup, beaucoup de plaisir sur ce voyage magnifique entre salsa, cumbia, candomblé, voyage en Amérique du Sud avec le Elena Recal Trio. Vous pouvez saluer le public, voilà, qui n'est pas là, mais le public chez vous. Voilà, sur le site de la ville de Corbeil-Essonne, sur Facebook, le Facebook de la ville de Corbeil-Essonne, sur Radio Terre de Mise 90. www.mjclimour.fr. Je vais encore un peu vous embêter, juste pour vous découvrir un petit peu. Alors, je vous ai ramené un micro. Voilà. Voilà. Alors, non, non, partez pas, partez pas. Moi, j'aimerais bien qu'on découvre un peu tes musiciens, Elena. Et oui, bon, je pense que je. Merci beaucoup déjà de rediffuser ce concert à la radio. Sur Radio Terre de Mix. Mais Radio merci, Terre de Mix. Merci, merci pour ce voyage coin de ciel bleu. Ça fait tellement du bien. J'espère, vous tous, vous toutes, que vous avez apprécié chez vous, tranquille, derrière vos différents moyens de réception, ce moment magnifique. Et dans cette période où on est tous obligés de se taire, on est obligé d'aller travailler, métro, boulot, dodo, voilà, un petit peu de salsa, un petit peu de cumbia, mais je parle trop, je vais te donner la parole. Bah écoute, j'ai beaucoup parlé aussi, et donc j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux musiciens qui sont des voyageurs comme moi, et Vanessa Garcia, batteuse et percussionniste qui vient d'Argentine, de Lincoln, un saludo à Lincoln, à toute la famille de Vanessa, sus amigos allá, elle, c'est une spécialiste vraiment de cette musique, de ces folklores, et c'est ça qui est incroyable de travailler avec elle. Et à ma droite, c'est un pianiste libanais, Fadi Farah, qui est
entrée dans le réseau du jazz et c'est cette couleur-là que je suis allée chercher, mais c'est mon compagnon de longue route et toujours à mes côtés, donc je te remercie. C'est un plaisir de jouer avec lui parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Tout ce qu'on a répété, ça n'a pas du tout s'est passé comme ça parce que c'est ça qui me plaît de travailler avec lui, c'est ce mélange qu'il m'apporte. Ouais. Alors justement, on va prendre quelques minutes pour vous découvrir. J'ai envie tout simplement de vous demander, en tant qu'artiste, voilà, dans cette période si particulière, comment ça va ? Voilà, tout simplement, comment ça va pour vous ? Comment ça se passe pour vous ? Tu veux une réponse courte ou une longue ? Ah, ça c'est comme tu veux, tu peux te faire plaisir ce soir. Bon, Fadi, elle va vous dire. Comment ça se passe en ce moment en tant qu'artiste ? En tant qu'artiste ? Ouais, comment ça se passe pour les artistes ? C'est un peu une autre vie. On vous entend comme bien. Ça, c'est bon. Ouais, bah, c'est différent. Ça, personnellement, moi, je travaille dans un conservatoire. Du coup, je passe mon temps à travailler dans le conservatoire. Et à part que ça, il n'y a pas de concert. Du coup, on se voit, on fait des sessions, on se réunit, des musiciens, on fait beaucoup de sessions, presque 3-4 fois par semaine. Du coup, on se découvre plus. Du coup, ça, c'est le point positif. Après, le point négatif, c'est juste les concerts, ça nous manque. Contact avec les gens, L'échange de la scène, le fait de donner et de recevoir, c'est ça qui est important dans une vie d'artiste aussi. Oui, exactement. C'est-à-dire, ouais. On ne peut pas c'est toujours un travailler échange. Tout seul dans son coin, il faut s'y partager. C'est toujours un échange, oui. Ouais. Ouais. Comment vous le ressentez ? Comment ça va ? Vous qui tapez fort sur des... et moi, je sens que c'est un moment super triste. Et je ne suis pas du tout la vision de Fadi. Pas du tout. Aujourd'hui, pour nous, c'est la... Bah, je suis heureuse et on est heureuse de nous rencontrer. Après, c'est vrai qu'il y a un vide pas possible. Je pense que ces vides-là, on les sent tous les jours, même si on ne joue pas. Le fait de ne pas jouer, là, ça fait... À moi, ça me fait très mal. Moi, je ne peux pas jouer toute seule. Je ne peux pas. J'ai du mal à connecter avec l'instrument. Donc là, du coup, je ne sais pas, je pense qu'on perd les muscles, on perd la force, on perd tout quoi. On est en train de perdre toutes les couleurs qu'on a eues pendant cette vie. Ah, je sais pas, mais pour moi c'est un moment triste. Triste, triste de voir que personne ne fait rien pour que ça se passe. Et, voilà, c'est triste. Alors, c'est vrai que c'est un moment triste, d'autant plus qu'il y a un proverbe bien connu qui dit... si vous trouvez que la culture coûte cher, essayez l'ignorance. Si vous trouvez que la culture est inutile, essayez l'ignorance. Et on voit les ravages que ça commence à faire, justement cette ignorance de l'autre, cette ignorance des autres. Et voilà, Elena, t'as pas répondu. Comment vas-tu dans cette période, toi ? Et moi, le confinement, ça a été un moment très très étrange. On l'a jamais vécu, donc je pense que chacun l'a vécu différemment. Être loin des copains, des musiciens avec lesquels on a des projets, ce n'était pas évident. On n'a pas tous forcément la possibilité de faire des sessions, comme on disait Fadi. Je pense plus dans la globalité des artistes, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas réussi à travailler pendant le confinement, faire un album, faire des sessions. Et ça peut être quelque chose de positif pour certains, mais pas pour tous. Et par contre, le public, c'est... C'est un cauchemar de ne pas les voir, quoi. De ne pas les voir danser, rire, s'ennuyer parfois, j'en sais rien, mais c'est le feedback, c'est ne pas avoir de retour, c'est trop douloureux. Et Abou Diarra, qui a joué il y a quelques semaines ici, il dit toujours à la fin de son concert, « Musicien, toi sans public, t'es rien, tu ne vaux rien. » Il dit toujours ça à la fin de son concert. Et avant, je ne comprenais pas l'importance le poids de ces mots. Et aujourd'hui, enfin voilà, c'est dur de voir les chaises vides. Donc merci d'organiser ces événements. Et je profite aussi pour remercier la MJC de Limours et Terre de Mix, pas que la radio aussi, l'institution. Le projet Terre de Mix. Le projet Terre de Mix
qui nous a soutenus pour qu'on enregistre notre album qui sera bientôt, j'espère, prêt. Et c'est grâce à, justement à ces réseaux, à cette institution, que nous, on a pu rencontrer des nouveaux publics qui nous manquent encore. Alors, justement, tu es venu faire une résidence à la MJC de Limours dans le cadre du projet Terre de Mix. Projet Terre de Mix, résidence d'artistes, projet culturel, projet social, projet audiovisuel avec la radio 90.fm, www.mjclimours.fr. T'es une artiste Terre de Mix, donc t'es une artiste engagée. Là, pendant le concert, ce que t'exprimais sur les femmes, tout ça. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. La mairie de Corbeil-Essonne lance toute une semaine autour des droits des femmes. T'avais un projet de chorale, etc. Qu'est-ce que t'as envie de dire sur la condition des femmes aujourd'hui ? On parlait, il y avait souvent des drames à l'international. Voilà, on avait tendance à fustiger un peu la condition des femmes dans des pays du Maghreb ou à l'autre bout de la terre, sans se rendre compte que chez nous, il y avait un problème. Et voilà, le confinement, le fait que les gens se retrouvent dans un huis clos, on s'est rendu compte que les violences intrafamiliales sur les femmes, les enfants explosaient, que la violence explosait. Et voilà, qu'est-ce que ça évoque pour toi qui soulignait pendant ton concert ces engagements de toutes ces grandes figures féminines qui se sont battues pour leurs droits, pour leur liberté? On pense à Simone Veil, on pense à bien d'autres qui se sont battues, qui se sont engagées pour elles, pour les autres femmes. Voilà, qu'est-ce que ça t'évoque? Et peut-être aussi, qu'est-ce que ça vous évoque en tant que femme, tout simplement? Ben, nous essayons, hein, c'est pas toujours évident, nous essayons toujours d'avoir une position militante. Et Vanessa, par exemple, elle me dit, parfois on invite un quatrième musicien, elle me dit toujours, il faut que ce soit une femme. Et elle me rappelle toujours ça, parce que c'est pas évident à s'organiser. Et moi, c'est ce que je tiens à dire. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là qu'on pourrait y passer des heures. Et donc, c'est bien qu'ils ont organisé plusieurs journées des droits des femmes et pas une, parce qu'il y a beaucoup de choses, des sujets à traiter. Et je voudrais dire plusieurs choses. C'est que ce n'est pas la journée des femmes, comme on le dit beaucoup. Je vais le dire en espagnol parce que c'est très typique de mon pays. No es el día de la mujer, es el día de los derechos de la mujer. Ce n'est pas le jour de la femme comme le jour de la mère, de la grand-mère. Non, c'est la journée des droits des femmes. Ce n'est pas pareil. On ne veut pas des roses, on veut des droits. Voilà, on ne veut pas des roses, des cadeaux. On veut d'égalité, des droits. Et je voudrais juste dire qu'il y a quelque chose qui pourrait... Moi, je me dis que... C'est mon combat. Je me dis, mon combat, c'est éduquer mon fils. Il faut commencer par éduquer les petits. Il faut commencer à la maison. Si vous enseignez à vos enfants, garçons et filles, des tout petits, à gérer, si vous expliquez toutes ces choses aux enfants depuis les plus tendres âges, je pense que les choses peuvent changer. Il ne faut pas attendre qu'ils deviennent adultes et dire, ah tiens, on va aller à une conférence sur le féminisme, comme si c'était quelque chose à part. C'est pas, je l'ai déjà dit, c'est pas une lutte entre hommes et femmes contre les hommes, non. C'est une lutte entre gentil et méchant. Quelqu'un qui tape, qui viole, qui agresse une femme, c'est pas possible. En fait, tu vois, je maintiens ma position. Ça ne devrait pas s'appeler féminisme, ça devrait s'appeler humanisme. Pas que les femmes, tous les gens qui ont des problèmes pour la couleur des peaux, pour les conditions sociales. Nous, on l'a vécu parce qu'on est arrivé ici encore. Comme tu dis, ma copine, encore, elle m'a dit, tu as la bonne... T'es plein pas, t'as la bonne couleur de peau. Ça m'a détruit quand elle m'a dit ça. Tu t'es plein pas. Parce que je discutais avec une amie, elle m'a dit, oui, on a des problèmes, on est femme, on machin, enfin, tous les... Voilà. Il dit, mais encore, toi, t'as la bonne couleur de peau. Elle dit, moi, je suis africaine, j'ai pas la bonne couleur de peau, c'est encore pire pour elle. Donc, ça ne devrait pas être juste un combat féministe. Il faut que ce soit le combat de tous. Et je voudrais passer les mots à Vanessa, parce que c'est sûr que, comme elle me passe toujours des livres sur le féminisme, elle a beaucoup de choses à dire. Et je trouve important aussi, comme artiste, que c'est bien que les femmes prennent la place sur scène. Ça, déjà, pour moi, c'est ma militance aussi personnelle. Après, qu'est-ce que je peux dire que, je ne sais pas, de plus. Les seules choses que je constate pendant les confinements, ici en France et partout dans le monde, qu'avec les confinements, effectivement, ils enlèvent des morts à la maladie, au virus, mais quand même, au niveau féminicide, ils sont vraiment des cas que c'est. Ça donne des frissons si horribles.
Donc là, du coup, une vraie pandémie aussi, c'est les féminicides. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour vraiment faire des confinements et tout ça, pour qu'on réagisse à ça. Ok, le Covid, c'est un virus. Les féminicides, c'est les femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Voilà, faut... Ouais, les conjoints, la famille, la plus proche, juste pour le fait d'être des femmes. Et ça, c'est la vraie pandémie pour moi. Aujourd'hui, faisons quelque chose. C'est pour ça que je voulais qu'on prenne un peu le temps de vous découvrir sur le site de la ville de Corbeil, sur Facebook, sur Radio Terre de Mix, sur le site de la MJC de Limoux, qu'on prenne le temps de vous découvrir parce que c'est de la musique qui donne envie de danser et ça fait plaisir et ça fait du bien. Mais c'est aussi des messages, des sons, des mots qui veulent dire des choses. C'est, et qui mettent l'accent sur des mots, pas des mots MOTS, mais des mots MAUX, des mots de la société, que ce soit sur les femmes, que ce soit sur les discriminations, quelles qu'elles soient. Alors souvent, voilà, faut qu'on fasse notre propre autocritique aussi dans l'Hexagone. C'est vrai qu'on a tendance à fustiger un peu le reste du monde, à dire pays des droits de l'homme, dans ce pays-là ça va pas, dans ce pays-là ça va pas. Et on se rend compte maintenant, dans cette période un peu compliquée, qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire chez nous, qu'on peut déjà commencer par travailler notre territoire et qu'il y a énormément à faire. Et on peut saluer, remercier la mairie de Corbeil qui donne cette possibilité aux artistes de s'exprimer. Alors, au moment où tout se ferme, où tout se tait, voilà, on répond par une salve de musique, par une salve de possibles. Et voilà, je vous remercie d'avoir consacré quelques minutes. Merci à vous tous, à les staff, à toi, Radio Terre des Mix, Limoux, vous me manquez. J'ai deux amours, Corbeil et Limoux. Et un troisième en Équateur, bien sûr. J'espère que tous les spectateurs, les spectatrices, les auditeurs, les auditrices ont passé une très bonne soirée. Imagine ton live, c'est pas fini. 8 dates, 8 concerts. Il y a encore quelques dates à retenir. Le 12 mars, rendez-vous avec Guillaume Farley. On m'a dit. Moi, je me suis laissé dire que c'était quelqu'un qui avait écrit pour les plus grands chansons à texte, chansons françaises. Vous allez vous régaler. C'est un grand, grand bassiste. Voilà, je suis content de passer avant lui. Et un grand parolier. Wow. Un grand parolier. Et 19 mars, Nazgûl, on va finir métal. Voilà, vous allez pouvoir ramener vos perruques pour secouer vos cheveux. Et on va faire un petit pogo, histoire de respecter les gestes barrières. Et on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonsoir et merci.